Ok, il va falloir le tirer plaque devant ça. Maintenant, on va mettre et morceau à bannir tout ça, relis là disons pour le capable entrer là dedans. On a juste changé, on a essayé de mettre noir ça là dedans pour nous. Est-ce que là bien accès pour le capable monter là dedans mais vu que moi elle déjà un petit genre trop gros, les petits gens trop gros, on a créé moyen pour être capable mettre même release qui était là dedans là. Mais ça paraît un genre très difficile pour le mettre parce que les gars en morceau qui sorti bah on est sur capable les sortir là dedans mais ça les mêmes les gars petits gens release là petit gens trop gros mais nous pas au moins impossible pour mettre release là dedans pour les capable sur quoi nous retirons un petit cal là-dedans dans chaque petit morceau. Nous retirons un petit cal là-dedans juste pour être capable de monter pour lui pas frapper dans le rebord. Ok, moi ajusté ça là-dedans. Il est vraiment marqué en morceau. Mais moi juste collé l'ensemble avec une substance. Et puis je vais le temps jusqu'à ce qu'il sèche pour moi est-ce que la prête collé. S'il va coller, nous allons le faire dans l'autre phase pour être capable de mettre l'autre release qui plus ou moins là-dedans parce que les guillemots morceaux qui sortent dans ça, je vais attendre jusqu'à ce qu'il sèche pour être capable ajuster et mettre et réfrigérant dans le système là. N'a pas tourné encore en même. Ok, Zamio, nous déjà mettez yon pompe vacuum avec un moteur compresseur en troisième pour nous capable de tirer l'air dans le système là ou bien atmosphère dans le système là. Avant même que nous chargions le réfrigérant. Ça veut dire que nous n'avons pas marché avec le vacuum pump original. Nous avons juste utilisé le moteur ça comme un vacuum pump. Ça veut dire que nous avons déjà mis le filtre de désintégrateur, le filtre de désintégrateur là, tout neuf. Et puis il est déjà dans le soukababoué, il est dans 30 pieds de mercure. 30 pieds de mercure, hein, ça veut dire il déjà gagné 30 à 35 minutes moins à faire basse là-dedans parce que qu'on est pas vers pompe originale. Il doit prendre un peu de temps pour capable faire vide là dans le système là. Déjà il déjà arrivé dans 30 pieds de mercure. Qu'on a nous pour l'obliger fermer et puis nous pour le mettre en petit réfrigérant. Pour nous regarder est-ce qu'il y a une fuite dans le système là. Là où pour mettre gaz ou déjà ajuster gaz là, toujours soit ouvert section haute pression pour évacuer l'air qui était dans le système là. Le gaz là sorti dans mangle de service là, il a une quantité air qui était atmosphère disons qui était dans ça ou à ouvert partie ça. OK, ou faire l'air qui était dans tuyau de service la sortie pour pas gagner l'air dans système là encore. Ça veut dire nous pour essayer mettre gaz dans système là pour nous capable faire le marché normal. Ok, on a fait check pour nous voir est-ce qu'il y a une fuite réfrigérant. C'est une façon de checker fuite, même les carrés détecteurs de four, il y a toujours des problèmes. Mais avec ça, pas de menti. Ça veut dire que c'est point ça où nous sommes soudés. On a regardé pour nous voir comment ça venait. Thank you.
Ok, tout bagaille, ok. La continuer mettre réfrigérant. Après ça, vous êtes capable de mettre pince en périmètre là. Dans moteur pour nous voir à combien la travaille. Là, il y a 23 pieds de mercure. On a continué à mettre le réfrigérant. Nous avons quitté avec 4 ou bien 5 livres de pression. Ça veut dire que nous allons mettre les pinces en périmètre là-dedans pour nous capables côté les marché avec ampérage nominal moteur compresseur. J'allais déjà commencer à pescacha. Déjà arrivé dans la troisième ligne. Et là, on a continué à mettre le réfrigérant jusqu'à ce que l'arrivée dans la quantité de réfrigérant fabricant mandé pour capable gagner dans le système.